Bonjour monsieur. Oui, bonsoir. Oui, donc je voudrais vous interroger au sujet d'un sondage sur la société. Donc, que pensez-vous de la société ? La société. Écoutez, vous me prenez comme ça de court. Bon, vite fait, bien fait. Déjà, la société, il faut savoir que ça vient du latin societus. Societus qui signifie société. Bon, alors, je pense que le problème de la société actuellement serait les SMS. Les SMS, voyez-vous, car je pense, si je peux me permettre, que les jeunes partent en sucette. Alors là, je pense, dans leurs expressions, leurs écritures et compagnie, ça part mal. C'est-à-dire que maintenant, les jeunes ne s'expriment que par LOL, quoi, tu vois, comme ça. Et moi, je trouve ça assez déplaisant, assez embêtant. Nous le savons tous, c'est notre avenir, n'est-ce pas ? C'est notre avenir et je pense qu'il faudrait les sauver. Et je dirais même, le cas des jeunes me fait un petit peu penser à une petite métaphore qui me plaît fort. Excusez-moi, petite rime, et pas pour la frime. Arrêtons là. Les jeunes sont comme une piscine. Une piscine ? Je m'explique. C'est-à-dire que vous avez une piscine municipale, particulière ou autre. Le fond de cette piscine a deux côtés. Un côté pour les enfants, un bassin, et un autre côté creux. Beaucoup plus creux, beaucoup plus profond. Alors là, je vous le donne en mille. Malgré le fond biforme de cette piscine, la surface de l'eau, elle, reste linéaire. Et c'est là, stupéfaction. On se demande, mais comment ? Et le jeune est comme ça. C'est-à-dire que la société a beau bouger et autres, il reste fixé sur une seule et même dynamique et une seule linéarité, vous voyez ? Et c'est ce qui cause la perte des jeunes aujourd'hui. J'ai envie de dire. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Si je peux encore vous éliminer de ma science. Ce sera peut-être une prochaine fois. Voilà. Merci. Donc, je vous en prie. Alors, au revoir. Voilà. Bonne soirée. Mais non. Mais non.